retrouvons Firmin Teko Agbo, Komi, Valentin Mayaba et Jérôme Soussou pour la suite de l'émission avant d'aller au Burkina Faso et de parler de cette jubilation de la population suite au coup d'État dans ce pays. On continue un peu le périple sur le Sénégal avec la victoire de l'opposition aux élections communales. Alors Jérôme Soussou, oui, comme je le disais, c'est que, vous voyez, si je donne un exemple précis par rapport aux législatives au Togo, c'est comme ça qu'on positionne les grandes personnalités. Et après, les résultats, elles font quoi? Elles démissionnent et laissent leur place à leurs suppléants qui, en réalité, n'ont pas assez de poids comme ces autorités-là. C'est ce que le président Macky Sall a voulu faire. C'est en réalité ce qu'il a voulu. Bon, je n'en sais rien. C'est ce qu'il devrait faire. En mettant devant les ténors. C'est ce qu'il devrait faire en venant prendre le conseil, des conseils ici auprès de UNIR. Comme ne ça, il aurait quand même atteint son objectif. Bon, ça, c'est pour juste plaisanter un peu. Et donc, je disais que si aujourd'hui Macky Sall a perdu les grandes villes, puisque ce sont les grandes villes qui donnent la grande configuration même politique dans tous les pays où le parti au pouvoir, l'Assemblée nationale est toujours majoritaire. Maintenant, si au Sénégal, l'opposition prend presque toutes les grandes villes, cela suppose en réalité que lors des législatives prochaines, l'opposition va encore racler. Et si l'opposition racle encore la majorité des voix, ça va quand même créer des soucis, d'énormes soucis à Macky Sall. Et si éventuellement, il voudrait quand même à tout prix aller à un troisième ou à un mandat de trop. Et donc, c'est un signal fort que l'opposition ou le... Pas forcément l'opposition, mais c'est un signal fort que le peuple sénégalais est en train quand même de donner à Macky Sall. Et donc, Macky Sall doit réfléchir, doit véritablement réfléchir pour peut-être mettre fin à un projet qui ne va pas l'avantager dans l'avenir. Comme Imayaba, pour sortir de ce débat, ce n'est pas peut-être les violences qui ont émaillé les affaires en justice de Ousmane Sanko et de Barthélémy Diaz qui ont véritablement pesé en défaveur du parti au pouvoir et en faveur de l'opposition. Même si tu ne me posais pas la question, j'allais en venir. Voilà, justement, parce que tout ça là est lié au fait qu'il y a des poursuites, des acharnements contre les opposants. Vous savez, aujourd'hui... Il avait emprisonné Ousmane Sanko. Qui avait connu... Vous savez, à un moment donné, un opposant qu'on prend, on enferme, il devient populaire. Ouais, ça, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, il a fait de cette opposition une arme forte que le peuple sénégalais a épousé ou a accepté. Ça fait qu'aujourd'hui, Macky Sall, c'est pourquoi moi je dis, quand les gens parlent de tel, je dis c'est le parti même qui est désavoué par le peuple sénégalais. C'est pourquoi même tout ce qu'on a placé pour aller contre, comme adversaire, contre l'opposition dans les grandes villes, ils n'ont rien vu. Cela voudrait en dire fait, que pas on le veut choix plus. En défaveur non, de la non, personne, ce n'est pas le jugement du parti, pouvoir, voilà. Du pouvoir. Ouais. Donc c'est pourquoi tout ce que les gens verront aujourd'hui, quand on dit c'est le tel est de tel parti, déjà ça donne un déclic dans la tête de la population de certains nombres de personnes. Donc c'est pourquoi il faut vraiment que, c'est comme l'a dit le confrère Germain Soussou, Jérôme Soussou d'Anto en disant qu'il faut qu'il change à un nouvel paradigme, c'est-à-dire qu'à un nouveau paradigme, j'allais dire, pour pouvoir penser à réorganiser ce parti-là afin de pouvoir devoir donner confiance au peuple. Mais ce serait difficile, parce qu'un parti qui est au pouvoir pratiquement 10 ans, plus tard, et maintenant, les gens commencent à perdre de la légitimité. Ce parti perd de la légitimité vis-à-vis de son peuple. C'est difficile de pouvoir requérir encore cette confiance-là. Mais si ce n'était pas entre-temps ce bras de fer qu'il y ait, comment l'appelle-t-on, Macky Sall avec ses opposants, aujourd'hui, quand même, on lui donnerait, on lui accorderait un certain nombre de crédits. Mais visiblement, il a perdu et l'opposition est en train de monter en grande pompe. Cette opposition a la même mise sur pratiquement toutes les grandes villes. Et on n'a pas
on n'a pas situé. Moi, je dis aujourd'hui que Macky Sall ne peut plus encore penser et tripatrier pour aller à une nouvelle constitution et se présenter encore pour un troisième mandat, non. Mais je dis et je le répète, ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est une preuve de démocratie. Parce que c'est les élections, seules les élections sont des critères fondamentaux ou les fondamentaux de la démocratie, parce que c'est les élections. Si aujourd'hui Macky Sall part, perd et il part et que l'opposition le remplace, on va éviter les différents coups d'État auxquels nous assistons dans la sous-région. Vous voulez ajouter quelque chose? Justement, je voudrais ajouter rapidement quelque chose par rapport à ce que disait Mayaba. Lorsqu'il, en tout cas, a fait la liaison par rapport, comment appelle-t-on, à un probable tripatriage pour un troisième, un éventuel troisième mandat. C'est trop tard, visiblement. Oui, mais c'est trop tard. Même si Macky Sall ne faisait rien entre griffes d'animosité contre l'opposition, le peuple sénégalais ne lui permettra jamais ça. Même s'il peut être, en bon terme avec son opposition, il peut donner tout ce qu'il pouvait au peuple sénégalais, mais je crois que les Sénégalais sont fermes là-dessus. Ils refusent un troisième mandat de Macky Sall. Ouais. Il le disait depuis très longtemps. Et Macky Sall lui-même non plus n'a pas parlé. Mais de toute façon, moi, ce matin même, je suivais RFI actualité, appel sur l'actualité. Les Sénégalais qui avaient appelé ont mis en garde Macky Sall que jamais il ne va pas penser à un tripatriage éventuel pour un troisième mandat. Et puis encore, on attendait sa déclaration par rapport présent, on l'a pas eu. Jusqu'à ce jour, on ne l'a pas eu. C'est ça qui, en fait, qui crée des doutes et qui donne, qui révolte, justement, qui révolte le peuple sénégalais qui est encore sur les qui-vive et attend le chef de l'État. Oui, deux petites choses, peut-être en une minute. Vous savez, la première chose, Macky Sall a créé trop de conditions ou de situations défavorables pour son propre camp. L'une de ces situations, c'est qu'il a passé toutes ces années à enfermer les journalistes, il a passé toutes ces années à enfermer les opposants. Les gens de la société civile également. Il y en a marre, il y a certains éléments qui sont passés par là. Oh, c'est ce qui rend beaucoup plus populaire l'opposition. Ouais. Donc, et aussi, dans son entourage... Comme dans les autres pays aussi. Oui, bien dit. Je laisse moi parler. Donc, et aussi, dans son propre camp, on lui reproche un certain nombre d'actes de corruption. Oui, on lui reproche parce que quand vous lisez les rapports des organismes internationaux de défense des droits de l'homme qui luttent contre la corruption, Amnesty International, non, comme pas Amnesty International, l'autre organisation qui lutte contre la corruption, et on dit même dans son entourage, il n'y a que ses amis et qui n'ont que de gros contrats, de gros marchés, et donc à coups de milliards. Et c'est une sorte de népotisme qui fait de copinage, qui fait de copinage. Donc, tout cela joue contre lui et les opposants, où le peuple sénégalais attendait bien ces occasions-là pour le frapper dans les urnes. La deuxième petite chose que je voulais aussi évoquer, c'est par rapport à ce que Jérôme se soit dit en ce qui concerne UNIR. Vous savez, la force de UNIR, c'est que UNIR a essayé de construire... On peut-être en parler en quatrième position. Oui. Non, je veux juste dire ça. C'est juste une petite chose. 30 secondes. En 30 secondes. La force de UNIR, c'était peut-être UNIR a, durant toutes ces années, essaie de construire un parti système. C'est ce qui fait que le parti demeure toujours fort. La force du parti, c'est que le parti est aujourd'hui un parti système, un parti tellement fort, enraciné, qui maîtrise tout, qui maîtrise toutes les couches. Donc, Macky Sall n'a pas cette force-là. Donc, il lui sera difficile. Il ne peut pas le faire. Donc, UNIR, vous voyez par exemple, les gens contestent UNIR dans les rues, mais dans les urnes, les gens vont le voter. Donc, vous comprenez un peu ça, c'est compliqué. Donc, au fait, ça, c'est un des gens qui doit inspirer bon nombre de régimes. Parce que vous allez aujourd'hui dans les pays occidentaux, quand on parle de la droite et de la gauche, c'est des partis systèmes qu'on essaie de construire. Peut-être ici, peut-être ceux-là qui vont battre l'Union, jouent dans les unes, seront peut-être aussi un parti système. Peut-être, peut-être des années à venir, on arrivera à ça. Peut-être, c'est ça qui sera là. Allez, on va quitter Dakar pour Ouagadougou. Vive l'armée, vous êtes des héros, des centaines de personnes favorables au putsch militaire qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore au Burkina Faso ont manifesté
mardi à Ouagadougou, comme Imayaba. On commence par vous, ces Burkinabés sont on ne peut plus contents. Ils ont porté des messages, la jubilation était là. Est-ce qu'on peut en déduire que le peuple burkinabé a accepté ce coup d'État? Ah, bien évidemment, c'est la question ne se pose pas. Vous savez, ça devient d'une épidémie à une pandémie. Quand vous prenez le Mali, lors du premier coup d'État, contre Ibeka. Oui, contre Ibeka, le peuple était sorti pour manifester sa joie par rapport à ce coup d'État, également en Guinée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je l'ai dit, je le répète toujours, c'est la gouvernance de chef d'État qui amène ces coups d'État. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la CEDEAO va peut-être prendre des sanctions, ça ne résout pas le problème. Il y a un problème endogène à résoudre d'abord. C'est-à-dire que quand quelqu'un est au pouvoir, qu'il se dise qu'il est là pour le peuple et non pour lui. Dans un premier temps, c'est des chefs d'État marionnettes. C'est-à-dire qu'ils font pas la volonté du peuple, mais la volonté peut-être des partenaires ou peut-être ceux qu'on peut parler de qui dictent les gens de Bretton Woods, par exemple. Donc, si vous voyez un peu ce qui se passe parallèlement au Mali, quittant Mali, venant au Burkina, Côte d'Ivoire, la Guinée, les faits sont palpables et sont légions. Donc, nous disons que quand quelqu'un au pouvoir, entre-temps même avec ce qui s'est passé au Burkina, c'était prévisible parce que Kabore était rappelé à l'ordre en temps. On lui demandait s'il ne prend pas de responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au djihadisme, par rapport à l'armée et tout. Un matin, la population avait dit à l'époque qu'elle prendra ses responsabilités. Mais le peuple, pire encore, quand vous avez l'armée à votre cause, écoute, vous ne pouvez pas répondre aux besoins réels de cette armée. Attendez-vous à ce qui est en train de se passer. L'armée lui a reproché un certain nombre de choses. L'équipement. Et d'ailleurs, même, il avait même fait du djihadisme, son credo de campagne. Disant donc que pour le deuxième mandat. Tout ça là, alors que tu n'as pas doté l'armée des moyens sophistiqués pour lutter contre ce fléau-là. En quoi bon aujourd'hui, quand vous arrivez au Burkina, vous allez voir que c'est l'aberration dans les mines, dans les physionomies sont crispées. Donc les gens étaient contents, sortant manifester leur joie parce que on n'avait même pas. Et ils ont dit, la population a dit que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une libération. Ça veut dire que le peuple burkinabé était cloîtré, était sous l'embargo en quelque sorte. Il faut quand même, à un moment donné, qu'on pense, quand quelqu'un vient au pouvoir, qu'il pense d'abord au peuple, la volonté du peuple d'abord, parce que c'est ce peuple-là qui vous a emporté, qui vous a porté au perchoir. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des choses contre ce peuple. Le peuple a pris ses responsabilités à travers l'armée, puisque l'armée qui est venue faire le coup d'État a dit, donc ils ont constaté, elle a constaté d'ailleurs qu'il y a des difficultés et qu'il faut prendre des dispositions pour amener le peuple à s'entendre ou à rester d'abord dans les gisements du pouvoir. Donc ici, et ce coup d'État, moi je le fais ressembler à d'autres qui sont passés ailleurs, sauf que il faut pas, moi je le dis, je le répète, il faut pas que nous assistions à ce genre de coup d'État qui vont devenir, à mon avis, une forme de une formalisation, d'ailleurs dit, puisque quand vous voyez, les grandes puissances ont commencé à saluer, à condamner d'ailleurs ce coup d'État. La France est sortie, a fait sa sortie, la communauté internationale, beaucoup de pays d'ailleurs sont sortis. La CEDEAO attend très prochainement, va se réunir pour prendre les sanctions. Voilà, il y a une réunion extraordinaire qui est en cours, et pour voir quels sont les éventuels, alors que la junte est en train de dire, non, qu'ils n'ont plus le pouvoir, mais ils feront tout pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans les plus brefs délais. Donc, moi, cette façon de faire pour peut-être mettre le bâton ou peut-être placer des entraves en ce qui concerne les béabas de la démocratie, moi, ça me touche beaucoup. Mais c'est la défaillance de la CEDEAO parce qu'à un moment donné, quand il y a des anguilles comme ça, il fallait que la CEDEAO prenne des dispositions. Mais on te dira que le Burkina, c'est un pays souverain. Et donc, les problèmes internes à un pays ne concerne que ce pays. La CEDEAO, la charte de la CEDEAO a des prérogatives. C'est sur les questions sur lesquelles
elle va se pencher pour résoudre véritablement le problème. Donc, ici, le coup d'État, les gens sont sortis manifester leur joie. Ils ont exprimé leur joie. Ils ont dit non, que c'est une libération et tout. Mais je rappelle que l'armée, même il y a une question sur laquelle nous allons revenir. Les gens demandent à ce que ce qui est en train de se passer au Mali soit transposé au Burkina. Ça, donc, c'est le prochain. Voilà. Sujet. Donc, ouais. Nous disons que quand il y a des situations qui se passent comme ça, déjà la France est déjà mise dans le rétroviseur pour dire que non, c'est la France qui est en train de déguillonner tout. Personne ne peut le démentir parce que derrière, quand vous voyez comment Kaboré prenait des décisions qui ne consultaient pas la masse, parce que l'instigateur premier, il y a la France qui est là-bas. Moi, je dis aujourd'hui que ces chefs d'État sortiront par les grandes portes si, véritablement, ils ne coûtent pas le peuple pour lequel ils sont arrivés au pouvoir. Jérôme Soussou, à part l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut aussi reprocher au président Roch Marc Christian Kaboré? Parce que les jeunes disent, nous sommes libérés, on ne va plus pleurer. Ce sont des mots très forts. Oui, bien sûr. On ne va pas faire l'apologie des coups d'État en Afrique parce que ça fait reculer la démocratie. Mais la première leçon qu'il faut tirer, c'est que les peuples africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, voulaient finir avec tous ces chefs d'État de la CEDEAO. Puisque les peuples ont finalement compris que ce n'est plus la CEDEAO des peuples, mais plutôt c'est un syndicat des chefs d'État qui se protège. Pourquoi? Parce que lorsque il n'y a pas que cette forme de coup d'État militaire, au moins il y a trois ou quatre formes de coup d'État constitutionnel. Il y a les coups d'État constitutionnels, il y a les coups d'État institutionnels, il y a les fraudes massives lors des élections. Et tenez-vous bien que toutes ces périodes électorales constituent véritablement des périodes de violence où on tue beaucoup. Toujours émaillé de violence. Beaucoup, ouais. Beaucoup de citoyens innocents et gratuitement. On l'a vu en Guinée, on l'a vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on l'a vu en Guinée, on l'a vu au Togo, on l'a vu partout. Où les élections sont passées de façon frauduleuse. Il faut le dire clairement comme ça. Et donc, la première leçon des citoyens africains de la sous-région ouest africaine maintenant, c'est de finir avec ces chefs d'État africains qui ont opté pour un troisième, un quatrième, un cinquième mandat ou mourir tout simplement au pouvoir. C'est la première leçon. Parce que moi, lorsque la CEDEAO vient prendre des décisions assez ridicules, moi, ça me fait pitié. Vous pensez que c'est ridicule? Si, Mayaba a bien dit hein, que lorsque la CEDEAO devait prendre des décisions à des moments donnés, elle ne le fait pas. Elle attend que les coups d'État se fassent militaires avant qu'elle ne se prononce. Or, lorsque les chefs d'État africains ou les chefs d'État qui tripatouillent les constitutions, qui font des coups d'État constitutionnels, la CEDEAO devait réagir. Et lorsqu'on fait des coups d'État institutionnels, la CEDEAO devait réagir. Lorsqu'on fait des élections frauduleuses, la CEDEAO devait réagir. En tout cas, c'est ces éléments-là qui aboutissent à ces coups d'État et à la mauvaise gouvernance. Il y a le protocole de Praia que les membres de la CEDEAO ont ratifié et qui ne respectent jamais. Même leur propre cour de justice, la cour de justice de la CEDEAO. Quelles sont les grandes lignes de ce protocole? Au moins trois? Non, je n'ai pas le document. En tête, mais je sais qu'on parle de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance voudrait dire qu'il y a les libertés fondamentales des citoyens. Il y a des gens qui parlent de la libre circulation, des biens. Ça, ce n'est pas le réel problème. Le réel problème, c'est la bonne gouvernance. Même la libre circulation n'est pas aussi... N'est pas aussi... Si on peut le dire... Non. Mais
Moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que vous-même, vous avez créé une cour de justice et que lorsque la cour prend des décisions, vous refusez de les respecter. Le cas de Kpatia Niasigbe, par exemple, là-bas en prison. Il n'y a pas depuis... que ce cas. Il non, y a mais le cas je donne Guillaume, le cas que je connais. Le cas Guillaume Soro également. Oui, mais de toute façon, je parle du cas que je connais assez bien. C'est-à-dire que la cour de justice de la CEDEAO avait donné raison à Kpatia, elle avait même souhaité qu'on le libère et qu'on le dédommage. Et je crois que j'ai comme l'impression qu'on l'a déjà dédommagé, mais on n'a jamais voulu le libérer. Et là, c'est votre propre cour que vous avez créée vous-même, que vous ne voulez pas respecter cette décision. C'est malheureux. Maintenant, la bonne gouvernance, c'est-à-dire que faites en sorte que vos peuples-là soient quand même libres, que vos peuples-là ne connaissent pas des difficultés de misère, de famine, de corruption, etc. Mais vous ne le respectez pas. Maintenant, vous laissez tout ça, et lorsque les militaires viennent prendre le pouvoir, je ne les cautionne pas, mais vous venez dire que vous prenez des décisions. Et c'est ces décisions-là qui sont ridicules aux yeux des peuples. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, le peuple semble applaudir l'armée, qui, en tout cas, semblent les libérer, alors qu'ils ne savent pas ce que la même armée-là, fera pour contre eux prochainement. Pour corroborer ce que vous aviez dit. S'il vous plaît, avant de donner la parole à Firmin, je sais que c'est lui qui va prendre la parole, je voulais porter un peu de bémol par rapport à ce que Jérôme disait tantôt, par rapport à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez, la Cour de justice de la CEDEAO ne prime pas sur la Cour de justice du Togo. Tu veux bien parler je suis d'accord. Non, je viens. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui. La justice oui. des États. Oui. Disons, pas du Togo. Oui, États. Oui non, je parce que des c'est États. Parce que. Aussi évoqué oui, par le gouvernement c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, un État est souverain. Une cour de justice de la CEDEAO ne peut pas donner des injonctions, peut-être qu'il peut faire des recommandations, mais ne peut pas imposer et à une justice. Et ces décisions ne sont pas contraignantes. Oui, non, ne sont pas, n'est pas obligé, c'est qu'il faut porter cette injonction. Mais de toute façon, n'est c'est pas la, obligé la de donner des injonctions au Togo. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit tout à l'heure que les décisions de la Cour de la CEDEAO ne sont pas contraignantes. Mais de toute façon, comme c'est une Cour... Eux-mêmes, ils ont mûri la question. Il faut connaître Eux-mêmes, ils ont mûri la question avant de créer cette cour. La cour, là, doit servir forcément à quelque chose. C'est pourquoi ils l'ont créée. Justement, et donc, c'est il y a des questions, que... ne donne pas, j'ai dit, ne donne pas des injonctions à n'importe quel pays. C'est pour ça que moi, si j'ai problème, dit que c'est cette décision, on va voir la, on va voir l'avis de Firmin Tekou Agbo. Firmin, quand Julienne Traoré, par exemple, qui est une enseignante de 30 ans au Burkina Faso, dit « Pour nous, ce n'est pas un coup d'État, c'est une libération de notre pays qui était dirigé par des incompétents. » C'est allé un peu loin. C'est allé un peu loin, vous savez, mais tout ça, là, ça fait triste. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, juste les minutes qui ont suivi l'assassinat de l'ancien président guinéen, Conakry, l'ancien Conté, en 2008. Normalement, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir, mais c'est Dadis Camara, un officier supérieur des armées, qui a pris le pouvoir. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu la réaction des populations. Les gens ont applaudi. Les gens étaient derrière Dadis Camara et il était tellement content. Mais on a vu la suite. Juste un an après, vous avez vu, il les a massacrés. Il les a fait massacrer au stade du 28 septembre de Conakry. Et il a dit qu'il est prêt à répondre. Il est prêt à répondre. Il n'est pas dedans, non, c'est ce qu'il dit. Oui. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que les peuples se trompent. Je ne sais pas si vous connaissez un peu aussi Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est venu, c'est le seul qui est mort, d'après l'histoire, qui est mort, et il est ressuscité. Celui-là, il a donné à manger aux gens, il a guéri des gens, il a fait des miracles pas possibles. Un jour, il arrivait, il faisait son entrée à Jérusalem. Les gens lui ont déroulé le tapis rouge et ils ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et quelques jours après, cette même personne, on dit « Crucifiez-le ». Comment vous pouvez comprendre le peuple? Je ne sais pas si vous connaissez l'ancien président du Zaïre. Non, ce ne sont pas les mêmes personnes. Pour eux, Jésus-Christ de Nazareth, ce ne sont pas les mêmes choses. Parce que si vous connaissez l'ancien président du Zaïre. Mobutu, c'est ce qu'on... Voilà, ce sont les gens qui l'ont chassé du pouvoir. Mais il a été très bien avec un certain nombre de personnes. On l'a chassé du pouvoir. Mais des gens ont applaudi parce qu'il a été chassé du pouvoir. Les gens ont applaudi celui-là qui est arrivé par la suite. Alors, quel est le rapport avec... Ce que moi, je voudrais dire, c'est que, en réalité, ce que je voudrais dire, c'est que les peuples se trompent.
Les peuples se trompent. Ce n'est pas parce que les gens sont en train d'applaudir aujourd'hui ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui vient de se passer au Burkina Faso, qu'il faut dire que c'est la vérité, au fait. Ce n'est pas la vérité. Parce que d'après l'histoire et d'après ce que nous voyons, c'est pas la... Je ne sais pas si vous connaissez le Bénin avec Patrice Talon. Ce sont les Bénois qui l'ont porté au pouvoir. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les Bénois qui avaient voté pour lui dans les urnes sont d'accord avec lui? Parce qu'il a enfermé cette personne. Quand on voit les élections, c'est mieux qu'avant. Hein, parce qu'il a gagné au forcé de face à Lionel Jospin. Non, regardez, il a été publicité. On a vu tout ce qui a entouré l'organisation des élections. C'est pour dire que les peuples se trompent. Ce n'est pas parce que les gens sont en train d'adouber la jeune militaire au Burkina Faso qu'il faut se dire que oui, c'est ce qu'ils ont fait est normal ou ce qu'ils ont fait est bien. Moi, ce que je voudrais dire, une seconde, s'il vous plaît. Pour terminer. Ce que je voudrais dire, non, on n'a pas pour non, terminer. Allez-y. Ah oui, pour terminer. C'est pour ce que je voudrais dire, parce que vous avez pris beaucoup de temps. Non, on n'a pas pris la parole. Vous avez parlé deux fois quand même. Bon, donc, ce que je voudrais dire, non, je vais aller tout de suite. Ce que je voudrais dire, c'est que le coup d'État, ça, je suis d'accord avec la chute de Jérôme Sossou. Le coup d'État ne doit jamais être applaudi des deux mains. Les coups d'État, c'est antidémocratique. Et nous devons nous insurger toujours contre ça. On l'a dit ici plusieurs fois que si, du moment où on n'avait pas arrivé à régler ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, ce qui s'est passé au Mali, la situation va se multiplier et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Donc si les gens disent que mais les peuples... Passe quoi? Pardon? Finalement. Non, j'ai dit, c'était que nous avons une CDAO qui n'arrive toujours pas à prendre des mesures vraiment coercitives. On a dit qu'on a pris des sanctions au Mali, mais c'est comme les sanctions n'ont rien dit aux militaires burkinabé. J'ai dit, normalement, ils devraient s'en exprimer, ils devraient en avoir peur et maintenant se ranger et permettre à... Les sentiments anti-CDAO, c'est des états qu'on voit par le truchement des réseaux sociaux et autres, qui a poussé le sentiment, qui a poussé peut-être la junte au Burkina Faso. Non, peut-être c'est ça, mais vous savez, je l'ai dit, bien sûr, Roch Christian Kabore a déjà préparé le terrain pour ce genre de situation. Il a préparé le terrain pour ce genre de situation. Je vous l'avais dit ici, lorsqu'on avait, on avait commencé le procès Sankara, vous vous rappelez ce que je vous ai dit ici, en disant que l'urgence n'était pas la justice. L'urgence, c'était la sécurité. C'était la sécurité, c'était pas le procès. Encore que, nous avons toujours clamé ici, nous avons demandé libérer Diendéré. Diendéré, c'est un général de l'armée. Diendéré, il a formé un bon nombre d'officiers aujourd'hui qui sont mais, dans l'armée. Mais il répond de ses actes aussi. Et il peut répondre de ses actes aussi. Personne ne refuse. Il peut répondre de ses actes aussi. Mais Diendéré a toujours des pions dans l'armée. Vous ne libérez pas Diendéré. Les Bassolés sont toujours là, en détention. Celui-là qui avait dirigé le pays, qui a fait de vous Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, entre-temps, il est toujours hors du pays. Mais vous dites que vous voulez lutter contre la sécurité, les terroristes dans ce pays. Moi, je pense que Kabore lui-même, il a déjà préparé le terrain et c'est ce qu'il a engendrer ce coup d'État. Mais ce coup d'État, ces histoires de coup d'État, on doit mettre fin à ça. Parce que nous sommes en train de créer une jungle. Et du jour où vous prenez le pouvoir, deux, trois, quatre personnes qui ne sont pas d'accord avec vous vont dire on n'est pas d'accord avec vous, on viendra vous chercher du pouvoir. On vient. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, j'ai écouté tristement mon affirmé. Par rapport au fait qu'ils disent que le peuple se trompe. De trompe de personnes, c'est-à-dire de trompe en applaudissant la junte. Je suis désolé de l'entendre parler de cette façon, parce qu'aujourd'hui, si la CDAO, les sanctions de la CDAO devaient résoudre un problème, aujourd'hui le Mali se retrouverait dans une situation où on n'aurait plus de la normale. Quand vous prenez ce qui s'est passé au Burkina, et que ce n'est pas une question de la junte là-bas, puisque le peuple même le dit, on cherchait quelqu'un, puisque le peuple ne peut pas aller changer la donne au niveau de la gouvernance de Kabore. Donc, il faut quelqu'un pour libérer le peuple. Pourquoi parler de libération du peuple? C'est parce que le peuple se sent dans des situations qui inadmissibles. Donc, vous voulez dire, et donc, banqueroute totale de la gestion. Je n'ai pas encore fini. Je vais aller, peut-être que ça peut t'éclairer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, Kabore... Non, je viens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la junte en évinçant et Kabore, si les conditions sont telles que on peut ramener la constitution, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel, pour remettre le pouvoir. Moi, je le dis souvent. C'est parce que nous ne cherchons pas où est l'abcès, nous voulons le crever. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive au coup d'État?
Ça, il faut d'abord résoudre ce problème-là. Ouais, c'est comme au Togo, hier, peut-être qu'on n'en a pas parlé, qu'on dit port de masque, de casque à personne derrière, obligatoire. J'ai trouvé terrible cette décision. C'est bien, mais elle n'est pas la solution au problème. C'est-à-dire que c'est quoi, comment faire pour qu'on n'assiste pas aux accidents. Que de dire comment faire pour ne pas casser la tête ou peut-être mourir. Justement, donc, il faut chercher des problèmes, des problèmes endogènes. C'est-à-dire que creuser l'arbre et trouver les racines avant de penser aux éventuelles choses. C'est pourquoi je dis, non, je vais chuter. Je vais chuter, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le peuple ne se trompe pas de la lutte qu'elle est en train de mener. Mais la junte, en prenant le pouvoir, doit peser pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir l'ordre constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand elle voulait, qu'elle voulait s'éterniser au pouvoir, peut-être revenir au pouvoir, c'est là que ça créera de problèmes. Même l'heure pour le journal, on va marquer la pause, on peut revenir en parler. Firmin Tekouagbo, Jérôme Soussou et Komi Valentin Mayaba.